Bien-aimé, bonjour. Dans la capsule d'aujourd'hui, nous allons revenir sur Deutéronome 28, verset 4. Mais je vais vous montrer un autre angle. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Tu n'as pas le droit de faire un business, ça ne marche pas. Tu n'as pas le droit d'être au travail et on n'est pas content de toi. Tu n'as pas le droit, en fait, tout ce que tu touches, tout ce que tu sèmes, tout ce que tu commences avec quelqu'un, toute entreprise dans laquelle tu te mets, doit marcher. Cette bataille mentale va s'opérer sur vous. Parce que beaucoup de chrétiens se retrouvent en train de souffrir dans leurs activités. Ils se retrouvent renvoyés. Ils se retrouvent avec des patrons mécontents. Vous devez intégrer dans votre esprit que parce que j'obéis à la voix de l'Éternel, parce que je fais ce que Dieu me demande de faire, mes business sont bénis. Tout ce que je touche, ça doit se multiplier et ça doit donner en abondance. Donc déclare avec moi aujourd'hui, toutes mes activités, tous mes business, tous mes comptes bancaires sont bénis, prospèrent, augmentent. Ok? Au nom puissant de Jésus, qu'il en soit ainsi sur vous.